Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Pokémon version rouge, la coopération infernale entre Oxys et Yajin. Je suis évidemment avec Oxys. Salut Yajin, ça va? Salut à toi, Oxys. J'ai voulu faire une vanne, tu sais, genre où on a versé les pseudos, mais j'ai foiré. Oui, mais j'ai bien cru que t'avais fait ça et mec, tu m'as magnifique en fait. C'est une catastrophe naturelle cette intro. Bon, dans l'épisode précédent, il s'est passé un truc de fou furieux. C'est incroyable, ouais. Yajin, je te laisse dire parce que c'est quand même sur ton épisode que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avons assisté à deux évolutions, du coup. Two evolution. À l'évolution de mon Crisacier en Papillusion, ce qui n'était pas une surprise honnêtement pour ma part. Mais par mes gardes, j'ai également fait évoluer le Carapuce d'Oxys en, bien évidemment, Carabaf. En vrai, c'est pas grave, je t'en veux pas, mec. Regarde, il est pudique, mon truc. Il est pudique, il aime pas montrer sa caquette, ça veut dire. Il est comment ton machin, ça, ton papillon? Il cache sa queue. Il est rigide. Le mien, il cache sa queue, le tien, il a une queue rigide. Bon, très bien. On voit qu'on a des Pokémon assez différents, et ça, c'est quand même cool, hein, parce qu'encore une fois, c'est le let's play de l'ouverture d'esprit. Mec, ça me fume, parce qu'à chaque fois. À chaque épisode, je trouve des valeurs à ces let's play, en fait. Bien sûr. Alors, ici c'est une dresseuse qui a un rond doudou, mais j'ai envie de me taper un petit peu là-dedans, juste pour voir s'il y a pas un petit truc cool quoi qu'on pourrait capturer en pierre fabec. Oh, j'adore ce Pokémon. En pierre fabec. Mais prends-le, mec, si tu le veux, prends-le. Ouais, mais je le prends tout le temps, donc je vais pas le prendre cette fois-ci. Par contre, je vais tester. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de Pokémon moi dans la grotte qui me font plaisir, et du coup. Dans la grotte, mais y a qui dans la grotte qui te fait plaisir? Paras, tu veux Paras? Non, Paras. Non, on a déjà un type insecte, donc non. Tu veux quoi? Mais un type poison, ça serait vraiment cool. Donc un Nosferapti, ce serait vraiment sympa. Ah, putain, ouais, j'ai jamais joué avec Nosferapti, mec. Bon, j'ai fait un petit combat avec ton machin. Je vais me taper contre elle, mais putain, laissez-moi me taper contre la dame. Je vais lui mettre un petit coup de tête là. Et franchement, on tape pas les dames. Bah si, mec, je suis rigide. Oh là 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 là. Et comment ça, on tape pas les dames? Regarde ton papillon, c'est une femelle, mec. Tranquille. Hein. On a le droit. On a le droit, c'est un combat de femmes. C'est un combat de femmes à armes égales finalement. Alors, Piafabec sauvage utilise rugissement. Je le pulvérise très vite et ensuite j'attaque la demoiselle avec son rond doudou. Son rond doudlard. Peut-être qu'il va nous faire poudre dodo encore une fois, hein. Mec, tous les épisodes sont reliés avec l'épisode 2. Le top Pokémon, je sais pas quoi. Oui. De pote dresseur, oui c'est ça. Pote Pokémon, je sais plus. Pote dresseur? Pas de dresseur, je crois. Fillette Suzette. Oh, Fillette Suzette. Grande doudou. Et voilà, il a les yeux bleus, mec, comme toi. Et rien que pour ça, ça mérite un petit choc mental. Est-ce que tout le monde se souvient de la musique de Rondoudou? Bien sûr. Rondoudoudou. Moi, je me rappelle surtout de l'épisode avec les Mélophées. Tu sais où ils tournent et ils font Mélophées. Ça s'est arrêté. Moi aussi. C'est insupportable. Avec le micro, là. Non, c'est Rondoudou avec le micro. Ouais, c'est Rondoudou avec le micro. Non mais genre, la Team Rocket, ils veulent s'emparer de la pierre lune et du coup ils vont dans la colline des Mélophées ou je sais pas quoi. Et t'as plein de Mélophées qui dansent autour de la pierre lune quoi. Ah peut-être bien. En lui envoie un culte et en chantant genre Mélophées, Mélophées, Mélophées. C'est vrai? Ouais. Insupportable cet épisode. Ouais, je me souviens plus. Insupportable. Allez, ça c'est fait. Yadox remporte 224 Pokédollars. Après je crois que... On est pété de combat. Hein. Ouais, on est pété d'oseille par contre. Après je crois qu'on a plus trop de combats à faire. Avant la grotte, je vais faire une halte, on s'en bat les couilles. Je vais faire un petit tour dans l'herbe là-dedans, vite fait. J'ai pas trop envie de m'attarder dans les herbes pour chercher des Pokémon particuliers, mais quand j'en vois, je pense que je vais aller faire un petit tour quand même pour voir ce qui peut se cacher. En Piafabec, encore une fois. Ouais, il y a beaucoup de Piafabec, mec, ils me cherchent. Hein. Ils veulent vraiment que je le recrute dans mon équipage de pirates. Ouais. Mais c'est hors de question. J'ai pris ma décision. Moi, dans cet épisode, enfin dans ce let's play en général, j'ai envie de capturer des Pokémon qui changent de ce qu'on prend d'habitude, quoi. Bon, mis à part le starter, évidemment, mais ça compte pas. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Bah honnêtement, Papillusion, j'en ai souvent dans mes parties, parce qu'il y en a quasiment dans tous les jeux, des Papillusion. Ouais. Mais je les utilise très rarement en game. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est ici qu'on peut acheter le Magikarp. Pff, ah mais non, ça dégage. On veut pas de Magikarp, j'en veux pas. On aurait Dracaufeu ou... Ou Bulby, oui, pourquoi pas. C'est pareil, tu vois, genre, d'habitude, y a aussi Dracolos, enfin Mindraco que tu peux avoir, et Dracolos, etc. On le prendra pas, Mindraco on est d'accord. On prendra pas Mindraco, on est d'accord.
Pourquoi ça? Ah, parce que oui, on a déjà. Parce que c'est trop dragon. Classique. Au moins, on aura un dragon. C'est ça le truc, c'est que c'est trop classique en fait. Alors, là en gros, ça va être mon épisode un petit peu exploration où je vais me promener dans la grotte comme ça. Je vais affronter pas mal de dresseurs, je pense. Et Yajin aura l'honneur. Parce que là, il y a beaucoup de montagnes. Le fossile à la fin, quoi. On en avait parlé dans l'épisode précédent et toi, tu penses du coup te diriger sur Ptera, c'est ça? Si je l'obtiens, le fossile, oui, sur Terre. Ouais, je pense que c'est toi qui l'auras, mec. Largement. Large. Bon, à partir de maintenant, je vais fuir les combats sauvages. Parce que je vais juste le passer niveau 13. Tranquillement. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi. Par contre, je crois qu'il apprend très vite des attaques. Ouais, voilà. Là, il va prendre toutes les poudres, genre toxiques. Tu peux lui faire apprendre poudre toxique. Si ouais, tu les poudres toxiques, c'est grave cool. Il va vouloir lui apprendre poudre de aussi. À la place d'armure. Il va vouloir lui apprendre poudre de dos, mais ça, en vrai, c'est cool si on veut capturer des trucs. Ah, c'est pas maintenant. Poudre de dos, j'aime pas trop. Honnêtement, poudre toxique, ouais, parce que ça peut empoisonner, du coup, ça lui fait perdre des PV en plus. Ouais, mais poudre de dos, c'est grave cool pour capturer des Pokémon, quoi. Oui, c'est pas faux. Et comme je le rappelle, on va jeter la Master Ball. Ça va être compliqué de capturer les légendes. Bah, fais-lui, oui, bah, allez, la poudre de dos, alors. Si il apprend poudre de dos, fais-lui apprendre poudre de dos. Parce que moi, genre, le Papillon, quand je le jouais, c'était vraiment en mode poseur de statue, tu vois. Donc je lui mettais genre. C'est-à-dire qu'il arrivait comme ça avec son petit marteau, tac tac tac, il construisait une statue de Jules César. Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends. Qu'est-ce que j'ai fait, frère? Qu'est-ce que ça fait? Non! Qu'ai-je fait, au bon Dieu? Non, c'est le système Z, c'est rien. Oh putain, la pression de ouf! Bon. Du coup, je disais quoi? Je sais plus. Ça devait pas être bien intéressant. Que ton Papillon servait uniquement de statue. Moi je m'en servais juste comme ça en tant que poseur de statue, c'est-à-dire que le mec il arrivait comme ça et il mettait tous les statues, genre le poison, la paralysie, etc. quoi. C'était vraiment mon Pokémon clé, on va dire. Clé suisse, couteau suisse. Ouais, pour une vraie strat, pour des vrais. C'est, je sais plus, c'est un nom spécial, mais ouais, je vois de ce que tu dis. Exactement. Bon, putain, il est bientôt niveau 14, donc vas-y. Je vais quand même le pexer encore un petit peu. Sachant que les chocs mentaux, ça va très vite sur lui. Ouais. Par contre, on a eu la cité Balgrain et ça, c'est grave cool. On n'a pas encore de Pokémon plante. Franchement, un Pokémon plante. Je ne sais pas. Je sais pas, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ou alors, il y en a pareil pas en que feu. Je vois tout de suite. Anti-para. En Pokémon de type feu, pareil. Je vais m'abreuver un petit peu parce qu'on commence à avoir soif. Y a pas des caninos ici? Des quoi? Des caninos. Dans la grotte, non. Ça m'étonne. Non, pas dans la grotte, j'entends bien. Mais dans cette version. Dans cette version, ouais, y'a des caninos. Y'en a. Y'en a au niveau du manoir, je sais plus quoi là. Moi, c'est. Mais y'a des Ponyta aussi également, mec. De quoi? Y'a des Ponyta. Oh, de ouf. Ponyta serait cool. Ponyta, je le prends jamais. Ponyta, ce serait mucho dinero, mucho simpatico. Ouais. En vrai. Exactement. Oh, je croyais que je l'avais tapé, elle. Jonathan, mes potes ici. Tu penses que c'est la pote du mec qui était dans la forêt de Jade? Du dresseur? Je te rappelle? Ah, peut-être bien. Eh ouais. Moi, je pensais au pote dresseur De l'épisode 2, encore une fois. Tout est lié, mec. Exactement. Tout est rouge. C'est le fil rouge hein, de cette série. En fait, on va renommer la série le pote Pokémon. Le pote dresseur, pote Pokémon. En fait, on sait toujours pas, mec, si c'est pote dresseur, pote Pokémon, pote. Faudrait re-regarder. Faudrait recommencer le jeu. Mais on recommence le play à partir de zéro maintenant. Non. Ok. Par contre, c'est vrai que le poison, c'est ultra fort hein, comme technique. Ouais. Surtout détritus, je crois. C'est un truc qui fait qu'à chaque tour, le poison est de plus en plus fort. Détritus, ouais, y a des chances, oui. Donc là je vais le tuer avec le poison parce que vraiment les attaques classiques ça lui fait pas trop de dégâts à cette saloperie. Choc mental en plus il est type fée donc type psy. Ouais, il y avait pas le type fée à l'époque. Hein. Non, ça existe depuis pas très très longtemps. Je sais pas sur quoi c'est fort le type psy en vrai. Oh là. Sur les dragons je crois. Comme la glace, ça marche comme la glace sur les dragons. Mec t'avais racheté des potions. Ouais. Oh, c'est toi qui va carry mec tu vois. Non. Ou type psy, c'est fort contre le type ténèbres. Ténèbres. Ouais. Mais c'était super efficace tout à l'heure contre le Nosferapti. Nosferapti, c'est pas ténèbres aussi? Si, et ténèbres, je crois. Nosferapti, c'est pas ténèbres, je pense. Je m'attendrais que ce soit ténèbres, cette merde. Parce que Spectrum, il est quoi? Il est ténèbres. Ouais. Donc ouais, c'est ça.
Allez. Je crois que c'est ça. Ce Mélofée de ses morts, il dégage. On va passer niveau 14 du coup sur ce magnifique combat. Meilleur investissement de ma vie. Parasport, ni ta mère. Non, on pas, pourra pas voyager à l'étranger, tant pis. Sérieux là, y'a pas de réaction sur cette vanne mythique. J'ai pas entendu, mec, je t'ai pas entendu. J'ai dit on pourra pas voyager à l'étranger, mais c'est pas grave. Parce qu'on a pas notre parasport. Putain, ok, yes. Ah oui, mec, il faut. Ok, excusez-moi. Il faut suivre, il faut nous suivre sur nos chaînes respectives d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Yaljin qui se trouve dans la description. Voilà. Oui. Je suis un bon commercial, mec. T'es un bon commercial. Je crois que ce type, c'est le mec qui soigne nos Pokémon, je suis pas sûr. Alors, je peux pas dire parce que y a des lags sur Snapchat. Ah ouais, ça saccade. Quelle catastrophe. Oh, Magnéty, je veux trop un Magnéty, ça y est. Oh, mais oh, y a des... Mais oui, en plus, c'est un Pokémon de type électrique. Bah ouais, de ouf. Mais Magnéty, c'est long, oh là là, c'est dans longtemps qu'on peut l'avoir. Il me semble. Comment? Je sais pas à quel point on peut l'avoir, à quel moment on peut l'avoir. Je sais qu'on peut l'avoir par la centrale, bah là où il y a électorbe. Oui, bah là où il y a électorbe, oui, avec des électorbes et tout. Exactement. Bon, merde, je suis con. Carrément. J'ai voulu m'enfuir, voyons. Il me fait chier son truc là. Putain. Et là on est dans la demi-heure parce que c'est... ton papillon il est pas suffisamment fort pour lui faire du mal. Et mon carapuce il va se faire déglinguer. Il va se faire éclater. Et le poison mais... ça marche pas sur sa petite tête donc... Et choc mental? Ça fait pas tant de dégâts que ça. Mais honnêtement par contre, juste là je suis dans le turfu. Attends mais il vole si... le papillon, il a sa défense. Il est... Oula. Oh shit. Oh non. Oula. Mais il est quoi niveau 11 le Magnéty? Ouais. Tu peux peut-être... ça peut être du jouable. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Pistolet... Non, charge mec. Charge. Ah. Je veux juste tester pistolet haut, voilà les dégâts. Oh, voilà. On s'inquiète. Pourquoi on s'inquiète? Je te pose la question, mec. Pour rien, voilà. Ouais, pour on rien. S'inquiète pour rien, mec. Je te rappelle qu'on a un Carabaf niveau 16. On a aucune raison de s'inquiéter. Oh, il est lector. Oh, elles sont trop puissants. On est trop fort. On est trop fort. Par contre, c'est vrai que ça m'a quand même mis un petit coup de pression, ça m'a glacé le sang. J'imagine. Surtout que le jet d'eau, le pistolet haut, doit pas être à température ambiante. Exactement. Allez, niveau 17 pour le Carabaf, et on a battu l'Intello Rémi. Il a dit mes Pokémon sont nuls, mais il a quand même failli nous pulvériser notre race. Hein, nous éclater la mer. Hein. Donc méfions-nous, méfiance. Et du coup, c'est pas lui qui soigne nos Pokémon, mais je sais qu'il y a un type dans cette grotte qui soigne les Pokémon. Je peux pas te dire. C'est à la fin, non? Peut-être, à la fin de la. Non, il me semble que c'est dans le début, hein. C'est dans cette zone-là. C'est pas lui, c'est un autre gars, du coup. Bon, on va le trouver, t'inquiète. Oui, bien sûr. Évidemment qu'on va le trouver. Hop, petite potion des familles. Est-ce que si je lui reparle... Non. J'en suis sûr, mec. Je suis sûr que... Il y a un type qui nous soigne. Oh non, mais oui, tu dois avoir raison. Mec, je peux te montrer un... Super bonbon. Je peux te montrer un move. Je peux mettre le super bonbon sur ton... Sur ton papillon pour le ressusciter. Ouais. Parce que la moindre des choses qu'on peut faire pardonner. Non, mais garde-le, mec. Garde-le, on aura besoin sûrement un bon moment. Un bonbon moment, j'ai envie de dire. Un super bonbon moment, du coup. Un super bon moment. Ouais, exactement, ouais, t'as raison. Moi, je suis plus le mec qui utilisait le super bonbon genre d'entrée de jeu, mais c'est vrai que c'est complètement con. Mais j'ai toujours fait comme ça. C'est ma nature, je disais que c'est rare, un super bonbon, alors... C'est vrai. Mais d'ailleurs, dans l'épisode 3, du coup, où j'ai battu Pierre, tu sais, à un moment, j'ai fouillé dans un jardin pour trouver un objet caché. Mm-hmm. Bah, c'était un super bonbon que je cherchais, parce que j'étais persuadé qu'il y avait un super bonbon ici. Il doit cacher. Bah ouais, normalement, enfin, ça doit pas être là du coup, enfin c'était pas là du coup. Mais je suis sûr qu'il y a des super bonbons cachés à Argenta, mais je sais plus où. Je pense peut-être... Il y en a sûrement partout, hein, pas partout, mais caché un petit peu sur toute la map. Ouais, je pense, mais je crois qu'à Argenta, il était au niveau du... comment ça s'appelle? Du musée tout en haut à gauche. Il y a un petit jardin aussi en haut à gauche, il me semble. Oui, peut-être bien, ouais. Bon, par contre, le 1 PV à chaque fois, c'est chiant, là. Je veux bien qu'on rigole, mais ça va, quoi. Ils ont fermeté comme les racailloux. Ouais. Je crois que Racaillou ça va pas fermeté si. Ça doit pas être Racaillou, ça doit être à partir de Gravalanche. En vrai ça me dégoûte, putain, Racaillou on peut pas le prendre parce qu'il évoluera jamais en gros lème, parce qu'on pourra pas le changer. Machoc on pourra mais pas après, le prendre. Mais après bon. Pareil. Honnêtement, si on doit le prendre, moi ce sera pas un énorme problème s'il évolue pas en gros lème. Ouais mais Gravalanche mec il est moche, c'est trop moche Gravalanche. C'est un gros tas de merde dégueulasse. Parce que. À savoir.
qu'il y a des Pokémon qui n'ont pas de stade final. Par exemple, Magnéti, Magnézone n'existait pas encore à cette époque-là. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si. Sérieux? Donc là, si on capture un Magnéti, il ne voudra pas en Magnézone. On aura que Magnéton normalement. D'accord, putain, c'est bien, je savais pas ça. Insane. Mec, en fait, c'est toi le professeur Pokémon. C'est toi qui a inventé le Pokédex et tout. Mec, c'est mon chaîne. En plus, je suis paysagiste donc. Exactement, mec, tout est lié. Oh, une corde sortie, trop bien. Je crois qu'à gauche, c'est la suite du jeu, donc on va aller dans la petite descente là. La petite descente aux enfers. Je vais fuir un peu les combats pour avancer un peu parce que là, on traîne la si patte. Si t'as des repousses, autant en claquer une. Je crois pas qu'on en ait. Je vais regarder l'utile, mais ça m'étonnerait. Non, on n'a pas de cette saloperie. On a la TV abaissée si jamais on se veut savoir comment capturer un Pokémon par exemple. Mais c'est tout quoi. Ni plus ni moins. Et c'est vrai que des repousses, ouais, ça aurait été sympa d'en prendre. Ouais, carrément. J'ai quand même si me faire passer niveau 18 de base, s'utilise un peu trop vite. De quoi? La repousse de base, elle s'utilise un peu trop vite. Ouais, grave. C'est abusé. Et c'est pas tant efficace que ça parce que ça. T'as quand même des Pokémon qui viennent t'attaquer. Ouais, il y a des fois où il y a des pertes. Allez hop, niveau 18 s'il vous plaît. Nice. Bon, il passe quand même. Je pense qu'il débloque une attaque. Non, pas du tout, il en a rien à foutre. Alors, où est-ce que ça nous mène ici? En fait, je crois que c'est ça la suite, je suis pas sûr, non, je sais pas. Je peux pas dire, honnêtement, le monde c'est limite, je m'en rappelle plus. Parce que j'aimerais bien ne pas faire la suite, enfin j'aimerais bien tout explorer avant de faire la suite quand même, tu vois. Ouais, j'imagine. Normal, tous les dresseurs et tout. Que je veux bien qu'on capture pas tous les Pokémon, mais faire tous les combats dresseurs, c'est important. C'est pour... Merde. Pour la thune et le pex, quoi. Ouais, c'est ici la suite, je crois. Ah. On remonte, hein, si tu veux. Ouais, je vais remonter, ouais. Ouais, ouais. Enfin. C'est pas ici qu'on trouve Pierre Rochard, là? Pas Pierre Rochard, mais le... Le mec du Conseil 4, là? Pas du tout. C'est pas dans cette version? Non. C'est peu. Dans que tu te bats avec un type du conseil, je sais plus dans quelle façon c'est. Ce serait pas Diamant et Perle? Peut-être bien Diamant et Perle. Contre la team Plasma, pas la team Plasma mais la team Galaxy. On le verra très certainement quand on fera la saison 8 de ça. Ouais, exactement. Parce qu'en tout cas moi genre c'est un réel kiff de faire ça mec, c'est trop cool. Franchement, les 5 épisodes sont passés d'une vitesse. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Nous sommes déjà quasiment à la fin de l'épisode de Doxys. Après, s'il veut pousser et traverser la grotte, il a le droit. Non, on va faire des épisodes de 20 minutes comme ça, on déroge pas à la règle. Mais c'est vrai que ouais, quand on tourne ces épisodes, le temps passe super vite quoi, c'est-à-dire que là, moi, je suis déjà quarantenaire en fait, j'ai 3 enfants et 2 femmes, finalement. Ça passe excessivement vite. Ah non, c'est pas la suite, parfait, nice. Mes souvenirs étaient encore intacts. Intact. Ça fait plaisir. Intact ou deux tacts d'ailleurs? Alors, peut-être 3. Putain, je suis pas loin d'être niveau 19 hein. Ouais, tu l'as vraiment boosté là ton... Bon, en même temps ton crise, enfin ton papillon, pardon. Quelle honte, j'ai dit crise d'acier. Il a d'être ça quoi. Ah, un morceau d'étoile, tu pourras le revendre pour te faire de la thune. Le morceau d'étoile, ça sert à ça? Ok. Ça coûte ultra cher je crois à vendre. Mais je crois que ça coûte ça doit coûter moins cher que la pépite. La pépite c'est 5000. Après il y a la pépite max, il y a les perles. Il y a les diamants et perles, MDR. Il y a les platines. Il y a solide. Il y a les rubis. Il y a les saphirs. Alors on est des petits rigolos, nous, on est des petits rigolos. Il y a émeraude aussi, hein. Oh là là, incroyable. Mec, Rakaillou, ça me fait kiffer. J'ai envie d'avoir un Rakaillou, j'ai envie d'avoir un Machoke aussi, mais on peut pas. C'est dommage. C'est dommage, on passe à côté de quelque chose, hein. Honnêtement. Une fait d'ail. Ah ouais? Tu penses en capturer un? Mais type roche, honnêtement, c'est rare. Il va nous en falloir un pour éclatroc en tout cas, de type roche. Ouais, au pire, on pourra prendre une poubelle hein, si jamais. On pourra prendre un Pokémon poubelle si jamais. Oui, c'est au pire du pire. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. C'est problématique. Aïe, aïe. Déjà. La suite lundi, il va falloir attendre 2 jours. Compliqué, attends, je vais pas me taper la fille. C'est toi qui vas te la taper. Mesdames et messieurs, je suis déjà maqué, excuse-moi. Mais... Regardez cette petite fille qui court à toute allure. Elle a l'air puissante, n'est-ce pas? À toute berzingue. Elle a l'air charismatique, elle a l'air énervée. Yajin va se battre contre elle dans l'épisode prochain. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Je suis prêt.
à le suivre sur sa chaîne YouTube, le lien est dans la description. Et il y aura la suite du coup lundi à 18h. C'est incroyable. Et oui. Merci à vous d'avoir regardé et à lundi. Merci à toi Oxys. Merci à toi mec. Au revoir. Au revoir.